J'espère que vous allez bien. Donc, je te laisse parler, Tiffany. Alors, on a été contacté il y a quelque temps par Raphaël, et le Raphaël, c'est le créateur du site Diabète Food. Donc, je vous explique un peu. Diabète Food, c'est des box alimentaires qui sont destinées de base pour les diabétiques, donc pour ceux-là qui souffrent de diabète. Donc, on peut dire ils concoctent des box pour des personnes diabétiques. Donc, c'est des aliments spécialement conçus pour des diabétiques. Donc, tout ce qui est dans la box, c'est vraiment adapté, et c'est, on va dire, tout contrôlé par des médecins, des diabétologues et des nutritionnistes. Donc, on ne peut pas se tromper au niveau des aliments. Et puis ça permet de savoir qu'est-ce qu'on peut manger, parce que quand En tant que diabétique. on est atteint de ce problème-là, des fois on est un peu perdu. Donc là, ça vous permet de savoir ce que vous pouvez mettre dans votre assiette, que ce soit un petit apéritif, un plat pour Un faire plat un plat, après préparé, enfin, pas préparé, un plat que vous préparez vous vous-même. préparez vous-même. Ce que vous pouvez mettre dans l'assiette, parce que des fois c'est compliqué. Voilà, donc tous les aliments qui sont à l'intérieur, ils sont conçus pour les diabétiques. Nous, on a fait confiance. Donc, il nous a mis des aliments Un peu de qui un tout, peu de tout, des produits oui. frais et des snacks, un petit peu de tout. On va vous montrer ça. Donc, on a un code promo ISA20 qui s'affiche sur votre écran et qui vous fera bénéficier de moins 20% sur le site. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'information. Donc, pour rappel, Raphaël, en fait, il a créé sa société parce que son papa, en fait, il est diabétique et voulait trouver une solution pour pouvoir créer des recettes et manger des snacks, etc., tout en se faisant plaisir et en étant diabétique. Voilà, parce Donc que des voilà. fois, quand on est diabétique ou on a ce souci-là, que ça soit, il y a plusieurs niveaux de diabète, Diabète. vous êtes un peu pas exclu, mais vous savez Ouais, plus ce que voilà, c'est vous ça. pouvez Pour garder un manger. taux de glycémie Voilà, correct, en fait, stabiliser son taux de glycémie. donc là, avec ça, vous pourrez savoir dire, bon, tiens, je peux manger ci, je peux manger ça, et comme ça, vous pouvez être tranquille de ne pas avoir votre diabète. Qui monte quoi. Et les box, ils sont à 25,90 €. Donc, grâce à notre code promo, donc c'est une box mensuelle, une box tous les mois, vous pouvez vous abonner et vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez, hein. Donc, c'est sans engagement. Donc, grâce à notre code promo, la box de 25,90 €, elle passe à 20 €. Donc, ça vous permet de pouvoir tester une box à moindre coût. Et la valeur des produits à l'intérieur, c'est à partir de 50 € et plus. Puis ça vous Voilà. permet de découvrir des choses. Parce que dans cette box, il y a peut-être des choses que vous Vous ne connaissez connaissez pas pas? et vous dites, bon, tiens, je peux pas le manger. Or, si elle est dans la box, Box, c'est que c'est que vous vous pouvez le pouvez. manger. Voilà. Vous êtes tout en sécurité, que vous pouvez le manger. Donc, on va vous présenter les aliments. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de vous trouver le prix de chaque chose, et je vous mettrai aussi les valeurs nutritionnelles à l'écran. Voilà, pour pouvoir vous situer et vous aider un petit peu. Donc, on va commencer par les produits frais, je Ouais, on va pense. Ouais, on commencer va par les produits voir les frais. produits frais. Alors, à l'intérieur, nous avons donc deux avocats. Voilà, deux petits Deux petits avocats. avocats bien mûrs. Voilà. Donc, on va pouvoir les consommer. Hein. Ceux-là, Bien voir. Ah oui, ils sont ils sont bien bien mûrs. mûrs. Il va falloir que Donc, je ceux-là, fasse on va pouvoir les consommer de suite. une petite salade avec. Ensuite, nous avons quoi? Deux mandarines. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours consommer des mandarines. Sinon, quoi d'autre? Deux pommes. Alors, je pense que ce Deux sont des pommes pommes. Deux granites. pommes granit, ouais. Ce sont des Voilà. pommes vertes. Celles-là aussi, elles sont bien mûres, on va pouvoir les manger Les pommes aussi. granites, on peut en faire, on peut en faire une petite salade. On peut faire pas mal de choses avec des pommes granites. Hein. Alors ensuite, maman, vas-y, à toi. Alors, Ah, il y a une petite carte, je n'avais oui. pas vue. Alors voilà, vous avez sa petite carte pour ceux que ça intéresse, avec ses réseaux sociaux. Voilà. Et si vous avez des intolérances alimentaires,
que ce soit au gluten, lactose, etc. Vous pouvez toujours lui envoyer un petit mail pour pouvoir adapter la box et pour pas vous retrouver avec des aliments que vous ne pourrez pas consommer. Voilà, ça c'est un petit point important. Voilà, c'est un point important. Alors, là, nous avons une petite boîte de petits pois. C'est des petits pois normal, hein, des petits pois, des et petits pois. C'est de la marque Bonny Sélection. Donc, ça, comme c'est une box belge, je pense que c'est des produits qui doivent venir de Belgique. Ouais, parce que je connais pas. Ouais, moi non plus, je connais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Nutri-Score A, Estrafin. Oui. Et là, le gramme. Ah, voilà, 200 grammes, c'est ça que je cherche. Oui, ce sont des toutes petites boîtes. Toutes petites boîtes. Ce Il sont faut y goûter petites... 140 grammes. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est de la compote de rhubarbe. De rhubarbe. Voilà, de la compote de rhubarbe. Je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de la compote de rhubarbe. Non. C'est de la marque Delaize. Delaize. Et Nutri-Score A. Voilà. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire. Alors, il y a quoi dedans? Rhubarbe, 82% du sucre. Pommes épaississant, farine de graines de caroube, préparée avec 90% de fruits pour 100 grammes. Du caroube, c'est un colorant. Je sais pas. Je pense que c'est un colorant. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est pour colorer un petit peu la compote. Je pense aussi. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir savoir le taux de sucre. Alors, marque glucide. Il y a en tout, pour le pot complet, je vois marqué 12 grammes. Donc, c'est très peu sucré. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sucre à l'intérieur. Je pense que ça doit être plus sucré en fruits. Ça doit être le fruit qui doit être plus sucré. Je pense que c'est le fruit qui sucre plus que le reste. En tout cas, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire, hein, avec morceaux. Voilà. À moins qu'il y en a qui ont déjà fait de la confiture de rhubarbe. Moi, je ne connais pas. D'abord, la confiture de rhubarbe, la compote, ça. La compote, ouais, la compote, la confiture de rhubarbe, pardon. J'ai déjà goûté, c'était pas trop mon truc. La compote, peut-être, je vais goûter. On sait pas, hein. Bah, découvrir quelque chose de bien. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons des olives vertes. Ah, des olives vertes, vous voyez, si vous êtes diabétique, vous pouvez manger des olives vertes. Voilà, des olives. Ça. Par contre, ça disait que faut faire attention, il peut y avoir un ou deux noyaux qui pourraient être dans la boîte, dans le contenant. Alors, c'est la marque Bonny Sélection aussi. Voilà, donc les olives vertes, vous pouvez les manger. Voilà. C'est très bien, ça vous permet de dire, bah tiens, je peux manger des olives au moins. Et c'est un pot de 165 grammes une fois égoutté. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Ah, du chocolat noir. Du chocolat noir, Lindt, 99% de cacao. Ouais. Noir absolu. Et c'est une tablette de 50 grammes. Toi qui aimes bien le chocolat noir. J'adore ça. Moi, j'aime bien le chocolat noir, mais s'il n'est pas trop fort. Ah, non, moi j'adore ça. Bah, celui-là, tu le goûteras. Le chocolat, moins il est sucré, plus il est meilleur pour moi. Ça, c'est sûr. Personnellement, hein. Donc, j'ai regardé, ouais, 99% minimum. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de sucre, en fait. Voilà, il est tel quel. Ouais, ça, c'est trop bien. Et Lindt, c'est une bonne marque. Comme ça, bah, vous pouvez aussi dire, bah voilà. Tiens, je peux me prendre un carré de chocolat. Voilà, 99%. Hein? Voilà, faut manger un petit peu de chocolat noir. Alors, ça, par contre, je ne connais pas. C'est un mélange de noix et de... Pépita. Alors moi j'ai vu qu'il y avait salé et épicé. Voilà, moi j'ai vu que là dedans il y avait des amandes, mais il y a des mélanges. Je pense qu'il y a des noix et des. Alors, c'est un peu comme des cacahuètes, on pourrait dire, non? Un sachet de 250 grammes. La marque Delaize. Je pense que ça se dit comme ça. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Un mélange salé d'arachide. Cuite et d'arachide enrobé d'une couche craquante épicée, amandes cuites et graines de courge grillées. Voilà. Oui, ça se voit dessus, des petites graines de courge. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des amandes et de la noix, etc. Ouais, c'est un mélange en fait. C'est un mélange, ça c'est pour l'apéritif. Ça c'est bien pour l'apéro. Voilà.
Peut-être c'est que ton père, il aime papa, ça. ouais, papa, il va aimer ça. Ton père, c'est ton fils, ton frère, c'est pas trop Pas ça. trop Nico, mais Non. Pamela et papa, ils adorent des trucs comme ça. Ouais, voilà, ils pourront. Je vais me faire attention quand même. Hein. Ouais, Si mais c'est un c'est peu des petits dur, il morceaux. faudra voir. Ensuite. Ensuite, on a une boisson. Ça, je connais pas. Alors, moi je pense que c'est marqué Clever Water. Je pense que c'est de l'eau aromatisée. Blueberry. C'est un fruit, ça, Blueberry, du ouais. berry. C'est pas de la grenadine, ça? Ça doit être quand Une sorte de grenadine? ouais, je pense. Plus vitamines, minéraux, vitamine A, B, D, magnésium et zinc. 4,5 calories, je pense, par bouteille. Alors, je vais regarder. Magnésium, réduction du stress et de la fatigue. Donc ça vous redonne un coup de fouet. Je Bah oui, m'arrête. hein, c'est pour éviter. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, le zinc, ah, c'est marqué en anglais. Je n'ai pas réussi à tout traduire, moi. Bah, c'est une boisson naturalisée, Oui. naturelle. Alors, là, il est marqué les ingrédients: eau acidifiante, citrique, arôme, lavande et myrtille naturelle et autres arômes naturels, colorants alimentaires concentrés de carottes et concentrés de cartame, édulcorants, sucralose et acésulfame K, carbonate de magnésium, gliconate de zinc, vitamine A, B5, B7, B12, D. Donc, pour ce qui est marqué en anglais ici, je vous mettrai la traduction, je vous mettrai les écrits pour vous dire ce qui est marqué dessus. Valeur nutritionnelle par 100 ml et par bouteille. Entière 500 ml. Et En tout cas, si c'est pour les 75% diabétiques, vous pouvez valeur en consommer un nutritionnelle, je verre. pense. Ouais. Bah, en fait, il n'y a pas de sucre dedans. Je vois pas de Voilà. sucre. Voilà. C'est sucré surtout, bah, c'est comme de l'eau C'est de l'eau aromatisée. aromatisée. Pour moi, c'est de l'eau C'est de l'eau aromatisée à eau de aromatisée, fruits. voilà, aux fruits. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent cette marque, nous on va goûter, on va voir, hein, parce que c'est que de l'eau aromatisée Oui, finalement. c'est comme vous diriez Voilà, une de l'eau avec de la grenadine. grenadine sans sucre. Pour Voilà, moi, ça ressemble à ça ça. pourrait être ça, un similaire. Ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais normalement, Ouais, ça doit être ça. Mais nous voilà. on va goûter, ça c'est intéressant, on ne connaît pas. Ensuite, des cacahuètes naturelles. Voilà, des cacahuètes. Des cacahuètes. Alors, on a un sachet de 250 grammes. C'est de la marque Bonnie Sélection Oui. aussi. Ah oh, oui, c'est des cacahuètes naturelles. Quand vous les cassez, ça fait deux petites cacahuètes à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas salés, quoi. Grillés. Grillé, Grillés, voilà. mais pas, ils C'est sont pas pas salés. marqué, non. Non, il n'y a pas de Elle sel. n'a pas de sel, sur naturel Ils sont comme ça. naturels comme ça. Voilà. Un Voilà. petit paquet de cacahuètes. C'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Mais les papas, ils aiment bien les cacahuètes. Ensuite, nous avons du flocon d'avoine. Ça, moi, j'adore ça. Du flocon d'avoine. Nous, c'est du flocon d'avoine classique qu'on a. Est-ce que celui-là, c'est de Non, photo? c'est du flocon d'avoine complète. D'accord. Voilà. Je savais Flocon même pas que d'avoine ça existait, complète. complet, moi. Ouais, complet. Ça, c'est très bien le flocon d'avoine quand vous voulez Pour faire des faire petits des petits gâteaux. gâteaux, ou bien si vous voulez mettre par exemple des flocons d'avoine, du fromage blanc et des fruits, et vous mettez pas de sucre, franchement, vous mangez ça, ça vous fait un petit encas, Ça peut être pour le ça petit vous cale. déjeuner, ça, Ouais, non? Avec des fruits. ça vous cale bien ça, franchement, ça c'est génial ça. C'est fin, du fin, c'est marqué fin dessus. Et c'est de la marque Delaize aussi. Donc ça, du flocon d'avoine, on en achète souvent, mais on en utilise. Ça, c'est génial. On va pouvoir tester cette marque-là. On ne connaît pas en plus. Ensuite, nous avions des pennes rigates complètes, Blé complet. source de fibres. Voilà, c'est de la même marque ou pas? Bonnie Sélection. Ouais, la même Oui, marque. voilà, des pâtes complètes. Donc ça, les pâtes complètes, ce qui paraît pour les diabétiques, c'est bien parce que ça permet d'avoir un taux de glycémie bas. J'avais vu ça sur Internet déjà. Donc ça, c'est bien. Vous Ouais. pouvez goûter. Moi, je suis pas pâte. Hein. Vous savez que moi, je mange pas des pâtes. Moi, j'en mange un peu. Mais toi, t'en manges un peu. Toi, t'aimes bien les Oui, pâtes complètes, toi. j'aime bien les pâtes complètes. Ouais. Ça fait longtemps, j'avais pris une fois des coquillettes complètes. Complète, ouais. Ah, j'aimais bien, Même hein. papa, il aime J'en bien ai pas lui. retrouvé.
Alors, en ce moment, c'est difficile, mais cela, ça peut être bien. Et on a deux paquets de pâtes. Voilà, deux paquets de pâtes. On a deux paquets de pâtes, ça c'est bien. Oui, moi j'avais bien aimé les pâtes confites. C'est les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes paquets. Voilà. Et puis, pour finir, ce sont des bonbons, non? Sans sucre. Sans sucre. Oui, c'est des bonbons. Des bonbons chéris, des bonbons à la cerise. Des bonbons à la cerise. De la marque Céréales. Au stevia. C'est sucré avec du stevia. Donc en fait, c'est sans sucre, c'est le stevia qui sucre les bonbons. Oui. On devrait goûter, tiens. Je sais pas. Moi aussi, je goûte un bonbon, tiens. Je vais voir ça. Je suis curieuse. Bon, moi, je mange pas souvent des bonbons. Mais là, ça m'intrigue, les bonbons sans sucre. Si j'arrive à ouvrir le paquet, ouais, je sais pas trop. Oh, c'est comme des. Ah, c'est des bonbons quand même. C'est des petits bonbons, des petits bonbons mous. Ouais, ils sont mous. Ah. Moi, je suis pas trop bonbon. Pourquoi je n'achète pas souvent. Tu veux goûter, Pamela? Tiens. Non, mais franchement. On croirait qu'ils sont sucrés. Regarde ce que c'est. On croirait qu'ils sont sucrés, mais ils y sont pas. Ils sont très bons. On sent bien le goût de la cerise. Ouais. Franchement, ah mais là, on croirait qu'ils sont sucrés, mais. Moi, je vous les laisse parce que c'est pas trop mon truc les bonbons. Moi non plus, je suis pas trop bonbon, mais là. Non. Ça m'intrigue. Quoi? Non, je n'ai pas tout mangé. Non, moi j'ai des bonbons. Hein? Alors, confiné sans sucre. Oui. Pardon, pour la... je mange la bouche, pardon, la bouche pleine, moi. Oui. Saveur cerise avec édulcorant. Édulcorant, il y en a des fois dans les faux sucres. Tu sais, les sucrètes d'édulcorant. Ouais. Arôme naturel sans conservateur. Ça, c'est bien ça. Franchement, ils sont très bons. Vous voyez, si vous êtes diabétique, vous pouvez manger des bonbons, mais vraiment de cette marque-là, sans sucre en fait. Voilà. Bon, sans trop en abuser non plus. Bien sûr, un peu, une fois de temps en temps. Voilà. Mais franchement, très bon. On croirait qu'ils sont sucrés, mais ils n'y sont pas. Franchement, c'est trop belle découverte. Ouais. C'est trompeur. Vous qui aimez bien quand même manger un peu de bonbons. Des fois de temps en temps, c'est trompeur, hein. Franchement, très bon. Ça colle dans. Ça y est. Ouais, c'est bon. Bon. C'est ça. C'est pour ça, ça colle aux dents. Alors, non, non, c'est pas pour moi. Pas trop. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a appris quelque chose, hein. Et puis vous a plu. Vous a plu et vous permettra. De pouvoir remettre des choses dans votre assiette sans avoir la crainte. Voilà, sans avoir la crainte d'une hausse de glycémie en fait. Voilà, surtout ça. Et puis, c'est pas seulement qu'adapté aux personnes diabétiques. Si vous êtes par exemple en rééquilibrage alimentaire ou que vous voulez tout simplement réduire votre taux de sucre journalier, et ben ça peut être une bonne alternative. Ouais, ça peut être une bonne alternative de commencer tout doucement. Tout doucement. Ouais. Pas trop changer votre. Trop rapidement, trop mais rapidement progressivement. Votre ouais. Alimentation. Mais remettre un petit peu des choses moins sucrées. Et puis vous faire plaisir voilà. Tout en vous frustrant pas en fait. Voilà, c'est voilà. Ça. C'est ça. Parce qu'après. Le principal, c'est se faire plaisir. Ouais. Pour pas être frustré de pas pouvoir manger tel ou tel aliment, ben là vous voyez que vous pouvez manger telle et telle chose. Sans vous bloquer, vous pouvez manger des snacks salés. Il y a maintenant, vous avez découvert qu'il y avait des bonbons, des pâtes semi-complètes, voilà des cacahuètes. D'habitude, peut-être que vous passiez dans le magasin et vous dites « Oh, je mangerais bien des cacahuètes. » Et là, vous dites « Bah non, je ne peux pas manger des cacahuètes, je vais être malade. Voilà. Ça ne va pas mal convenir. » Et là, vous pouvez manger des cacahuètes, en fait. Voilà. Donc, voilà, ça vous permet d'être un petit peu autour de la table avec des amis, de la famille. Et vous dire bah, « Moi, je peux manger ces cacahuètes-là en apéritif, une petite entrée comme ça. Grignotage. Vous pouvez faire un petit grignotage de petites cacahuètes comme ça dans votre alimentation.
Voilà, comme ça vous bloque pas toujours. Donc, je vous remontre la petite carte si ça vous intéresse d'aller sur le site. Allez faire voilà. Allez faire un petit tour. Il y a les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous remets le code promo ISA20 qui vous fait bénéficier de moins 20% sur votre première box. Voilà. Donc, ben, c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, bah, ça vous permet de découvrir avec nous. Nous, on a découvert avec vous des produits qu'on connaissait pas et d'autres qu'on connaissait. Enfin, voilà. Qu'on connaissait pas la marque. Voilà, qu'on connaissait pas la marque ou qu'on connaissait, mais on s'est dit, bon, bah, on peut pas manger, hein, on sait pas, hein. Des fois, on fait toujours un peu attention. Voilà. Donc, eh ben, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Hein. De dire ce que vous en avez pensé en commentaire. De dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à aller sur le site pour aller voir si ça vous intéresse de commander une première box pour tester de votre côté. Voilà. D'aller poser peut-être plus de questions à la personne qui crée ces box. Voilà, c'est une toute jeune entreprise. Oui. Donc, il vient juste de lancer. On va essayer de la booster un petit peu. Voilà, il vient juste de lancer sa marque. Donc, ça serait une bonne idée de le soutenir en commandant une première box, par exemple. Voilà. Puis, ça ne vous engage à rien. Si, par exemple, vous voulez résilier, bah, vous pouvez résilier sans engagement. C'est une box une fois par mois. Ouais, une fois par mois, 25,90 €. Hein. Vous avez quand même 50 € de produits. Des fois, plus que 50 € de produits. Entre 9 et 12 articles à l'intérieur. Franchement. C'est pour moi, vu la quantité qu'il y avait dans la box, c'est rentable. Ouais, voilà. Ça vaut son prix. Oui, ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Voilà, voilà. Eh bien, on va vous souhaiter une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. Bon bisous.